Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Point Pratique. Pour la petite anecdote, nous sommes toujours en confinement et donc cette vidéo s'est faite durant le confinement du Covid-19. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier la 13e division du guide du jeu de la canne par Maître Laribaud et je vais donc vous en faire la lecture. 13e division, évolution à 6 temps avec volte-face, double coup de tête en avant, en arrière et deux changements de garde. Étant en vraie garde, exécutez les mêmes mouvements indiqués dans la division précédente. Alors pour petite info, je vous montre la division précédente, donc la 12e. Et je reprends la lecture. Mais frappez 6 coups de figure au lieu de 4 en comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour marquer les coups. Ces 6 coups allongés étant en fausse garde le pied droit sur 1 et le gauche sur 2, la canne sur l'épaule droite faisant face B, faire un bond rapide en tournant pour tomber par deux changements de garde le pied droit sur 3 et le gauche sur 4 face A. Et frapper en faisant le volte-face. Un double coup de tête, le premier vers B étant en vraie garde et le second vers A étant en fausse garde. Reprendre alors les premiers mouvements en développant un double coup de figure vers la droite, frappant les 6 coups, allongeant par les deux changements de garde avec volte-face le double coup de tête, l'un face A, l'autre face B, et continuer ainsi jusqu'au point B. Faire face A et répéter les mêmes mouvements pour la retraite. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette division, si ce n'est qu'elle a pour base la 12e et elle rajoute deux coups de canne supplémentaires en faisant des volte-face. Maintenant vous savez faire la 13e division du Maître Laribaud, entraînez-vous bien, confinez-vous bien et à la prochaine!